Donc c'est parti, dans cet épisode, on va essayer de trouver un cinquième niveau cette fois-ci. Alors, surtout la dernière fois, on avait activé un chaudron qui nous permet de nous téléporter un peu plus facilement à un autre endroit de la map. Alors, comment fait-on ça? Il est là. Oui, tu fais peur. Ah, j'arrive jamais à sauter dedans. C'est une catastrophe. Voilà. Nous revoilà ici. Alors. Donc, on avait fait Freeze Easy Peak la dernière fois. Le nom ne s'invente pas. Hein. Je ferai pas de commentaires. et du coup, j'ai découvert deux autres niveaux. En tout cas, deux autres entrées de niveau. Un dans le désert, un dans le démarais. Mais alors, je ne sais pas du tout encore où sont situés les puzzles pour ouvrir les accès à ces niveaux. C'est assez frustrant parce que du coup, je ne sais pas du tout où aller. Je vais finir par trouver. Ah, là, c'est marrant parce que. Pourquoi il y a des briques? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça? Et alors, comme d'habitude dans ce jeu, il faut regarder en l'air parce qu'il se passe plein de choses. Bah, là aussi, il y a une porte. Ouais, alors. Les toiles d'araignée, on peut les détruire avec les œufs. Bon, pas les briques, apparemment. Bon, je vais aller par là parce que. Je crois que c'est là l'endroit où il y a une espèce de monument Gruntilda, on va dire. Merde, je l'ai invoqué en parlant de ça. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas des choses cachées sous l'eau. Donc on va regarder ça. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Si y a... Attends, il n'y a quand même pas que des. Que des plumes. Il doit y avoir d'autres choses. Y a pas un petit accès caché? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah merde! Comme par hasard. Ouais, parce que ici, là, comment on accède là? Voyez. C'est-à-dire que ça s'ouvre ce truc. Ou que ça nous nargue et que l'accès est ailleurs. Voilà. Alors des fois, on est à 1 km de l'ennemi, il nous touche. Et alors lui, il arrête pas de m'embêter. Laisse-moi tranquille, toi. Oh là là. Oui, jeune et innocent. Alors là-bas, c'est le marais. Mais comment ouvrir l'accès au marais? Et alors, ça me paraît quand même étrange qu'ici, on puisse rien faire avec ça quand même. Cet endroit n'est pas dédié qu'à une pièce de puzzle. Alors un autre truc. Et là aussi, c'est étrange quand même. Il y a... C'est quand même fou. Alors la caméra, elle est jamais bien placée, hein. Elle est toujours à des endroits qui sont pas intuitifs. Notre cher Jean-Michel, adoré. Et alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette maison-là? Rien. Et là, ça s'ouvre, c'est obligé. Ça, c'est un niveau, ça. Il n'est pas encore ouvert parce qu'il y a pas, j'ai pas trouvé le puzzle. Et il me semblait en plus, quand j'y avais joué il y a quelques années, que j'avais été dans ce niveau. Ça me dit quelque chose.
Donc c'est que il y a bien un accès quelque part. Et toi derrière toi, il y a rien, non? Bon. C'est frustrant quand même. Un autre truc, il me semble qu'il y a. Alors, attendez, parce que en tête, j'ai des petites, des endroits à visiter comme ça qui sont intéressants. Au-dessus du canal, là où j'étais, voir le niveau 3, là. Enfin, je les numérote, mais ils ont pas vraiment de numéro, hein. C'est le troisième que j'ai visité, ici. Et normalement, ici, on devrait pouvoir accéder. Et alors, j'ai vu un bouton que j'ai pas activé, qui est là. Ah ah! Voilà. Ça, je l'avais pas fait la dernière fois, donc du coup. Ça se trouve, ça va me mener à quelque chose de. Oh là là, il y a encore les. Les saletés de trucs là qui font sursauter. Suffit de les taper ou de passer en dessous. Bonjour. Des puces savantes. Des puces savantes sous sa robe dégoûtante. Ça, je sens que la caméra va bouger tout d'un coup et me faire tomber. Que de boutons, que de mécanismes. Ouh, vu le décor de ce tunnel, ça semble être la suite. Ah. Mais attendez. Ah, j'ai l'impression d'être dans le truc de Gruntilda là, que j'expliquais tout à l'heure. Ah, je passe à côté des œufs. Eh ben voilà! Voilà ce que je cherchais. Allez, on va tout mettre. Le Bubble Gloop Swamp. Eh ben c'est bien tout ça. Alors, on a peut-être d'autres choses à. Ah non, il n'y a rien à. À checker ici. Non. Visiblement non. Voilà, lui il va me casser les pieds. On plonge, on plonge, on plonge, comme ça il peut pas nous atteindre, ce qui ne fait que flotter lui. Donc en fait, le marais, j'aurais dû le faire avant le niveau de glace, je pense. Parce que justement, celui-là, le niveau du marais arrive tout de suite après celui-là. Donc normalement, celui de glace arrive après celui des marais. Mais bon, c'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est qu'on si on y met les moyens, on peut faire les niveaux dans l'ordre qu'on veut. Enfin, presque. Presque, presque, presque. Oui, donc. Et donc, le marais, c'est là. Et donc cette pièce de puzzle, faut que je trouve un moyen parce que on doit pouvoir ouvrir cette porte. Enfin, ces barreaux. Mon petit poulet, mais je suis pas un poulet, je suis un ours. Sauf s'il parlait de Kazooie. Mais dans ce cas-là, c'est une petite poulette.
Pourquoi je prends le miel? Je vais peut-être en avoir besoin moi après. Ça c'est méchant. Je tape dessus hein, même si c'est gentil. Mais laisse-toi faire. Elle est insupportable. Donc c'est méchant. Mais ça m'a pas fait grand chose en fait. Attends, il était déjà là le mouvement? Ah donc Kazooie, bien le petit poulet. Alors, cherchons les super bots, puisque c'est ça qui nous permet de faire ce niveau. Là j'ai vu... Ah, faut pas que je marche sur cette dalle, parce que je vais encore me faire avoir. D'accord, ça servait à rien. En fait, je suis spécialiste du gars qui prend des objets alors qu'il n'en a pas besoin. Ah, oui, Jinjo, je t'ai vu. Je vais essayer de pas mourir. Eh ben voilà. Les piranhas, ils sont au taquet dans ce marais. Oh là là. En fait, là, mais je peux même pas... Je peux même pas choisir que la caméra se mette derrière. Elle se met sur le côté. Voilà, c'est mieux. Merci pour le miel. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut du... Pourquoi il y a une pièce de puzzle dessus? Ah! D'accord. Et il y a un chrono. Ah voilà. Voilà. Oh, je le sens mal. Je le sens tellement mal. Il faut utiliser Kazooie. Et en plus, c'est en temps limité sur des toutes petites corniches. Où est la pièce de puzzle? Bah, je sais même pas où elle est. Bon, je pense au bout de ce chemin. La caméra se laisse pas faire. Ah, il y a un Jinjo ici. Eh, on triche un peu, hein. C'est même pas tricher, hein. Le jeu nous permet de voler, on vole, hein. Alors maintenant, j'ai pas envie d'être monté ici pour rien. Je vais faire hyper gaffe. Oh là là, sérieux. Bah, cela dit, ça exploite au moins bien le stick analogique parce que le principe c'est de pouvoir utiliser le déplacement lent. Oh, allez, c'est trop simple en fait. Alors, est-ce qu'il y a un Mumbo dans ce niveau? Ça, c'est la question parce que souvent il se planque. Oh là là, il y a un truc là-bas. Il y a un crocodile vraiment méchant. Il veut me bouffer! Mais il a des notes de musique sur lui. Bon, on s'approchera prudemment. Alors, moi, je veux les notes de musique. Ça, c'est mon objectif numéro 1. Ah, c'est marrant. En fait, l'attaque roulade est plus puissante qu'une attaque standard. Je vais laisser le miel ici. Ah, il y a un œuf là-bas. Avec une vie qui clignote. Ah, il y a un... Bon, on va plutôt prendre le nénuphar. Très bien, ça. Un œuf dans un œuf. Ah, on peut pas le casser celui-là. Bah. Quoi ça sert?
Ah, d'accord. Cherchons les endroits où on peut casser l'œuf. Sur les pansements, parce qu'on met des pansements sur les œufs. Ah. Apparemment. Voilà. Mais ils sont minuscules après. Ah non, ça marche plus. Je trouve que ce jeu est trop facile. On fait les choses tellement simplement, tellement... Ah ah ah, je retire ce que j'ai dit. Allez, gentil Nénuphar, viens. Merci. J'ai bien besoin de ça en fait. On va aller prendre les notes de musique qui sont là-bas. Voilà, ça veut dire que c'est bientôt fini. Non, 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 Nénuphar, reviens, reviens, reviens. C'est bon. J'ai eu un miracle. Un truc pas beau, il veut notre or. À l'attaque. Et oui, je veux votre or. Bah venez au moins, moi je veux bien, Ah, on peut pas les tuer comme ça? Ils sont coriaces en fait. Ah, puis ils sautent. Aïe! On va prendre ça. Arrêtez de sauter, s'il vous plaît. Laissez-vous faire, ça se passera mieux. Oh là là, c'est la cata. J'arrive pas à les avoir. Et il y en a combien? Ah, c'est un délire. On va y arriver. Et il se jette dans le marais. Oh, et à chaque fois que je fonce, il se met à sauter. Je trouve qu'elles défendent pas très bien leur or, ces grenouilles. Oh, tu es trop fort. Prends notre or. Continuons notre aventure. Ah. Oh, il y a un Jinjo dans le marais. On va d'abord aller en haut et on verra le bas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, 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 la panique, aïe, aïe, aïe. Ça siffle. Alors, pourquoi je me suis planté tout à l'heure? Je devais pas être dans la bonne direction. Je pense qu'il faut aller plus là. Voilà. C'est moins haut. Chère note de musique. Et la dalle Gruntilda pour
libérer. Ah, ça va ouvrir la. Ben voilà. Ah, non, c'est pas ce que je pensais. Bon, bah, du coup, si on rentre par là, normalement, on a la pièce de puzzle qui est enfermée. Tout se rejoint, tout s'explique. Mais attends, mais on va vachement haut là en fait. Ok, ici. Je passe à côté, comme par hasard. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais quand même le prendre. Parce que le jour où il va m'en manquer juste un. Mais je passe au-dessus ou à côté en fait? Je passe au-dessus, j'ai l'impression. Voilà, c'est mieux. Mais non. S'il y a des objets, vaut mieux les prendre dès que possible. On sait jamais. C'est une promenade de santé ce niveau en fait, hein. Déjà 4 pièces de puzzle, ça a pas traîné. Maintenant faut redescendre. C'est comme les chats qui se perchent dans les arbres. Ils savent monter mais ils savent jamais descendre. Alors, maintenant faut prendre tout ce qu'il y a en bas. Il y a une guêpe là-bas. Ou un moustique, je sais pas trop. D'accord. Aide de musique, des œufs, des Jinjo. Des plumes d'or, des plumes rouges. Ah, mais... Mais on peut pas aller en dessous? C'est quoi ce délire? Non, mais ils sont sérieux? Je peux rien prendre du tout en fait. Et en plus je vais me faire croquer. Ah non, c'est bon. C'est quoi ce cirque? Je peux même pas passer en dessous. Pourquoi ils ont fait ça? Il faut que j'utilise mes plumes d'or du coup. Ça n'a pas de sens. Oh là là, t'es... Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et lui, en plus, il en rajoute. Viens ici, toi, si tu l'oses. Viens là. Mais attendez, mais on peut pas du tout passer en dessous. Quelle que soit la technique. C'est aberrant. Ah, d'accord. Je crois savoir. En fait, je pense qu'il faut monter tous ces trucs-là. Il doit y avoir un mécanisme pour monter les plateformes. Et... Oula, j'ai chaud, mais tellement. Parce qu'il me reste plus qu'un... Voilà, ça va. Ah, je respire là. Alors, on va aller voir le crocodile. On va se faire bouffer. Peux monter sur toi, crocodile? Ouais, ça a l'air. Oh, t'es pas méchant, toi, en fait. T'as l'air méchant, mais tu l'es pas. Ok. Alors, maintenant. En fait, c'est peut-être pas un vrai crocodile. C'est peut-être juste un... Un décor. Voilà, faisons le plein. Assurons nos arrières. J'ai pas envie de me retaper tous les... Ouh, tu vas te calmer toi, hein. Ça, je le laisse de côté. Ah, ça sent le labyrinthe. Avec des moustiques dedans. Il est... En fait, il est grand ce niveau. Est-ce que je fais le labyrinthe maintenant? Ah, apparemment, on peut passer là. Ah, il y a un moyen de devenir plus petit si ça se trouve. D'accord. Ah, ça c'est bien.
La caméra qui se met en haut, c'est une très bonne idée. Ah mais je loupe les notes de musique, je suis teubé ou quoi? Moi je ne loupe pas ça, c'est une denrée rare. Et en plus qui... on va attendre que ça s'arrête. À moins que j'ai un bouton pour le faire, mais je pense pas. Ah, vite, 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 vite. Alors, là, il y a un... Oh, il y a encore un truc... Oh non, ils ont pas le droit de faire ça. Bon. Oh, je le sens tellement mal. 10 secondes. Oh, et puis en plus, Jean-Michel Simet. Et pas Jean-Michel Simès. Bon, trop simple en fait. Et... J'attends de la difficulté de vous, messieurs, s'il vous plaît, quand même. Bien, alors, la suite. La suite, c'est les notes de musique. Ah, il y a Mumbo ici. Bonjour! Avez-vous un pouvoir pour moi? Ah non, laisse-moi toi. Ah eh, pile au moment où je peux rien faire, il m'attaque. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses cachées derrière ta maison? Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'il faut toujours vérifier. Des petits objets cachés dans les coins. Tout le temps. Alors, je suppose qu'il va me faire transformer en bestiole toute petite. Je le vois gros comme une maison. 10. Bon, bah j'en ai 15, ça tombe bien. Bonjour. Et du coup, je suis un petit croco. Non, 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 non. Je ne suis pas une matière première, merci. T'as pas d'autres trucs planqués chez toi? Si. Cache ces trucs là partout. Bon, alors du coup, un petit croco, et bah non seulement je peux aller dans les marais, mais je peux aller sous les trucs où je pouvais pas aller avant, et ça c'est top. Alors par contre, mes attaques sont limitées. Ah, je peux croquer quand même. C'est mignon, on dirait un petit roquet. Pourquoi j'ai pris ça? C'est pas grave. J'ai faim. Donnez-moi à manger. Alors, on va confirmer qu'on peut bien aller là-dedans. Oui, on peut aller là-dedans. Ça aurait été dingue quand même. Attendez, il n'y avait pas des... Il n'y avait pas des plumes ici? J'ai rêvé. Et alors du coup, en tant que croco, je peux aller dans tes narines? Ah oui. Ouh là là. C'est une mise en abîme très intéressante. Hein. Un croco dans un croco. Bonjour. Ah, d'accord. Pousse-toi, c'est les miens. Ah ah, je te les ai piqués. C'est vachement long. Il reste encore 34 secondes. Ah. Ah, le salopio.
Y'en a plus, y'en a plus, y'en a plus. Vite. Ah ah ah. Ah ah ah, je te les prends toutes. Serais-tu deg? Oh, j'en ai le même nombre, ça marche pas. Ouais bah essaie de me... Oh, oh le salaud, il saute en plus. Moi je me suis dit bah c'est bon, je suis à l'abri. Ah, en fait non, il saute. Saleté. Bon, faut que je recommence. Pour l'instant, ça se passe déjà mieux que la partie précédente. Ah ! Ouais, bah t'as aucune chance, mec. Voilà. Non, mais non! Oh. Oh, le bruit que font les jaunes! Ah, sérieux, c'est plus dur, hein? Ah, désolé, mais t'es pas assez rapide, hein? Ah, purée! Ah, il prend tout là! Ah là là, c'est l'horreur! C'est super dur! Ouf, bon. Il va me ressortir encore un autre jeu là. Non mais non mais... Ce qui est indiqué en haut de l'écran. Ah oh, ça me saoule déjà là. Des rouges. Oh là là mais... Ah non mais il a un bol énorme. Oh là là, j'ai déjà perdu. Ah non, je suis juste assommé. Non mais c'est mort là, il a trop d'avance. Oh là là, et en plus je les loupe. Oh le nul. Ah là là, c'est mort. Bon, ce jeu m'énerve. Ah bah, le mec il change les règles à chaque fois qu'il perd, alors forcément... Aïe. J'ai essayé de l'éviter, mais bon, ça a été compliqué. Bon, je me barre, ça me saoule. Tout ça pour avoir une pièce de puzzle que j'ai déjà à foison.
On a des choses plus intéressantes à les récupérer. Il y a une tortue là-bas. Bonjour. Aïe. On ne voit rien. Ah. Bonjour Jinjo. À ce rythme, on va avoir toutes les notes de musique assez facilement. Voilà, faut retourner à la zone où on ne pouvait pas passer dessous. Je pense que c'est là-bas. Oui, voilà. Et on va récupérer des choses aussi qu'on a utilisées pour rien. Ah, ça, c'est rien que je récupère. Où suis-je? Pourquoi la caméra s'est téléportée tout d'un coup là? Voilà. Une vie qui sert pas à grand chose parce que chaque fois qu'on recommence la partie, et ben il nous reste. À chaque fois qu'on recommence la partie, on a que 3 ou 4 vies donc. Super. Collecter des vies, ça n'a pas grand intérêt. Alors, bon, les chipouilles, c'est bien, mais non. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Je devrais pouvoir trouver d'autres zones à explorer. J'ai pris ça pour rien. Alors normalement, si je me retransforme, je devrais pouvoir accéder à des choses plus hautes. Parce que là, le problème, c'est que... Là, c'est le début du jeu, du niveau. Et ensuite... Et là-bas, il y avait quoi? Ah oui, il y avait le truc avec le nénuphar. Bah, c'est tout. Oh, il est génial, ce croco. Il grimpe toutes les côtes. En général, toutes les transformations offrent des caractéristiques quand même très agréables, comme monter les côtes sans glisser. Bon, j'ai déjà fait tout ça. Là, ça me servira à rien. Peut-être que je peux pas parler à la tortue tant que je suis pas Banjo et Kazooie, en fait. Donc on va retrouver Mumbo, qui est dans le labyrinthe à gauche du Croca. Attendez, parce que je suis sûr qu'il y a des choses dans le marais. On va aller d'abord récupérer ça. Je pense que là-bas, il doit y avoir des choses. Je vais avoir des notes de musique. Non, il y a un moustique, génial. Ah, et là, il y a quoi? Il y a une grenouille rouge. Et des notes de musique. Bah voilà. On s'approche gentiment des 100. Oh là. Bon, j'avais plus beaucoup de miel. Alors là, je pense qu'il va falloir que je me retransforme. Que je commence à être limité dans mes actions. Les crocos peuvent-ils manger du miel? Ça, c'est intéressant. Oula.
Voilà, bon, première chose qu'on va faire quand on va retrouver notre apparence d'origine, c'est d'aller voir Elotipions. Non, l'attaque pas. Demande-lui de te transformer. Ah, bah oui, mais du coup, pour quitter, oui, il faut que je refasse le labyrinthe. Ou pas. Attendez. Ouais. Si je vais là, est-ce que j'ai un moyen de d'atteindre une zone safe depuis ici? Ouais, c'est pas évident. Si je tombe, je vais me faire mal. Bon, on va refaire le labyrinthe. Quoi? Oh, c'était juste là, hein? Ah génial, on voit vraiment tout là. C'était magnifique. Tortue, où es-tu? Il saute loin quand même. Bonjour. Non mais... Ah si. Oh bah je peux faire quelque chose. Il hurle à la mort. Ça va un peu mieux. Tu veux que je fasse les autres? C'est n'importe quoi. Ouh yay. Ah, je n'ai rien eu. Alors que là c'était quand même flagrant que j'ai touché le marais, hein. Ah, alors, là, il y a un truc qui va pas. C'est que je peux pas passer. Oh là là, ça glisse, sa carapace. Allez, saute, saute, saute. Ah mince, mais alors comment je fais? J'ai pas envie de perdre d'énergie, moi. Bon, on va aller au croco. Ça me paraît plus simple. Oh là là, mais c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Ouah, c'est juste. C'est n'importe quoi. Ah bah oui, ça me plaît, oui. Alors maintenant, comment je reviens? Parce que... Mais c'est infernal! On peut pas... Ah mais je suis bête! Oh là 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 là! Quel idiot! J'ai un truc justement pour éviter ça. Six. Sachant que celle des... Celle des... comment dire... Avec les crocos là... enfin le croco rouge là... je suis pas sûr de la faire. Ou alors si vraiment on s'ennuie ce soir, ouais. Alors... oui, y avait des choses à aller regarder. Ou en tout cas essayer d'atteindre en l'air.
Parce qu'il y a plein de tiges à grimper. Alors qu'est-ce qu'il y a? Là il n'y en a pas? Ça a pas l'air. Alors attendez, c'était de quel côté? Par là? Ah non, par là c'est... Il me semblait que c'était par là. Oui, c'est par là. En fait, les décors n'apparaissent pas forcément. Oh, je le sens mal. Ouf. Allez, il en reste 6. Oh, Jinjo, je te vois. Je veux descendre. Ah, que se passe-t-il? Alors, comment on revient maintenant? Par les branches, par ces espèces de coton-tiges sales. Je suis assez mauvaise langue en fait sur la maniabilité parce qu'elle est vraiment pas mal. C'est juste la caméra qui pêche. Sinon le reste, c'est quand même très précis. Oh, j'ose vraiment pas revenir pour faire ce truc, sérieusement. Ça me démotive. Cela dit, je crois que dans Donkey Kong 64, il y avait des challenges comme ça, des mini-jeux qui étaient vraiment, mais très difficiles. Où au niveau chrono, ça se jouait à la seconde près. Et c'était totalement injuste. Je me souviens qu'il y en avait un dans un monde aquatique. Où on était à l'intérieur d'une espèce de poisson mécanique. Et fallait viser sur des... je sais pas, sur des interrupteurs... Fallait tirer des choses sur les interrupteurs et il y avait une hélice qui empêchait qu'on atteigne le truc et c'était hyper long et le timing était horriblement précis. Donc très démotivant comme jeu parce qu'il fallait tout recommencer à chaque fois. Donc là ça va, ils sont encore assez gentils sur ce jeu. Enfin je dis ça mais si ça se trouve après j'aurai un mini-jeu qui va être encore pire que celui des crocos là. Et alors, attendez, maintenant, j'ai combien là? 23 pièces de puzzle. Mimi. Ah, il m'en reste 2 alors. Puis il y a des alvéoles aussi. Et puis, toujours mes 6 notes de musique à récupérer. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? On peut essayer, on peut essayer. Pourquoi elle ouvre la bouche, elle? Sérieux, on peut aller dans la tortue? Ah, fantastique. Bonjour. De copier. Moi, désolé, hein, mais je prends ça, moi. Ça m'intéresse. Alors, du coup, c'était rouge, violet,
Et alors là, j'ai un doute parce que comme la caméra était tournée, j'ai vu si c'était le rose ou le bleu. Je pense que c'était le bleu clair. Oui! Alors, rouge, violet. Non, rouge, jaune, rose. Rouge, jaune, rose, bleu, cyan. Rouge, jaune, rose, bleu, cyan. Rose. Plus qu'une leçon. Jaune. Rose. Jaune, rose. Jaune, rose, jaune. Bleu. Violet. Rouge. Violet. J'ai déjà oublié. Alors c'est jaune, rose, jaune. Alors on va essayer. Jaune, rose, jaune, bleu. Jaune, rose, jaune, bleu. Non, c'était pas bleu. Si, bleu. Violet. Et après c'était jaune. Ou rose. C'est l'horreur. Je sais même plus s'il y avait du rouge. Oh, je m'en souviens plus. Ah non! N'importe quoi, n'importe quoi. Oui, bah rejoue le morceau. Jaune, rose, jaune, ça c'est bon, bleu. Violet, rouge, violet. D'accord. Violet, rouge, violet. Jaune, rose, jaune, bleu, violet, rouge, violet. Bah oui. À côté. Bleu. Merveilleux. Cet objet. Oh, c'est dommage. On s'amusait tellement. Bon, il reste une. Enfin, il reste deux pièces de puzzle, dont une chiante. Et une dont je ne sais pas encore où elle est. Est-ce que je prends le truc? J'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne la ruche parce que là, ça sent le roussi. Ah, il ne peut pas attaquer. Non mais le miel va dans le marais là. Oh, voyons. Et bah moi je fais ça. Bon, j'ai utilisé deux plumes d'or, mais ça valait le coup. Allez, on s'échappe! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Du miel. Ah, il y a des passerelles. Est-ce du décor ou est-ce des vraies plateformes? Ça, c'est la question. Alors, comment on monte? Par là. Ah, ça glisse. Et donc. Non, non, c'est du décor, ça. Ça, c'est du décor. Non, non. Alors là, il y avait une pièce de puzzle. Et tout le reste là, il n'y avait que dalle en fait.
Là aussi, y a rien. Ah bah voilà, y a la mort. Non, bah non. Le labyrinthe, j'ai eu la pièce de puzzle à la sortie. Enfin, c'est laquelle la dernière? Est-ce que j'ai tout fait de ce côté-là? Je vais vérifier. Et normalement, oui! Oh, c'est haut là. J'ai failli faire une connerie. Bah oui, il y avait une pièce de puzzle. Oui, je l'ai déjà prise. Je suis bête ou quoi? Ouais, mais alors du coup, il n'y a plus rien. Après, on sait plus quoi faire. Je vais essayer de retourner vers le... Oh, non, j'étais sur le bord, là. C'est injuste. La vie est injuste. Je vais essayer d'aller à des endroits où je n'ai pas beaucoup traîné, du style le début du niveau. J'ai grimpé là-dessus, moi, déjà. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu veux des œufs. Non? Miam. Oh. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait avoir un chrono. Et en fait non, on a le temps. Faut juste trouver où sont les crocos dorés pour leur faire caca des œufs dans la bouche. Oh. Oh, c'est osé, là, hein. Oh, il y a des enfants qui écoutent. Voyons. Ah, t'es là, toi. De toute façon, c'est pas compliqué. Soit Kazooie fait caca des œufs, soit elle les vomit. Ah, maintenant, c'est ici. D'accord. Nanana. Wow, c'est dommage, j'avais bien visé. Oh. Bon, faut que je fasse gaffe parce que... Plus que deux miel. Te voilà toi. Et en plus ça grince. Ah, un dernier. Enfin, j'espère. Alors, par contre, j'ai pas fait vraiment attention où est-ce que il est apparu. Est-ce que c'est derrière le crocodile? D'ailleurs, je sais même plus où il est le crocodile. Where's the crocodile? C'est pas là. Bah, je suis perdu ou quoi? Bah, qu'est-ce que c'est que c'est? À gauche. Oui, c'est là. C'est pas là-bas? Si, c'est là. Oh, l'autre, il m'attaque pendant la phase où je peux pas contrôler. Il va me tuer, il va me tuer. Oh là là. C'est tendu, là. C'est tendu.
J'aime pas trop la situation là. Voilà. Il me faut du miel. Est-ce que j'en ai là-haut? Ah, oh, ça craint tellement là. Ah, je suis en stress. J'entends du miel, j'entends du miel. Non mais le miel il tombe partout là. Il tombe partout dans les marais. Ça va pas. Oh là là. Quel gâchis. Tout le miel il est tombé par terre là. Hein? Alors, maintenant où est apparu le dernier crocodile? Ça avait l'air à côté de... De la grenouille, je sais pas quoi. De la tortue. Et ils l'ont mis du coup à côté d'un moustique. Saleté moustique. C'est pas là-bas? Ah moi j'aurais bien vu de ce côté. Ah si, voilà. Oh là là, bon. Oh là là, mais cette tension. C'est l'horreur parce que... Alors en fait, je vais tirer depuis ici. Oh, je le sens mal. Le moustique, là, il est pénible. Bah, on s'en sort bien, dis donc. Bon, je décide de quitter ce niveau. En décidant consciemment de ne pas faire le jeu débile du crocodile là où il faut bouffer les trucs. Parce que c'est chiant. Nous allons pouvoir sortir d'ici. Mais c'est marrant quand même. On est dans un jeu à monde ouvert. Génial! On est dans un jeu à monde ouvert et il n'y a pas de boss dans les niveaux. Il n'y a pas de... C'est marrant qu'ils aient fait ça comme ça. On a des objectifs de récupérer des pièces de puzzle, des notes de musique, etc. Mais pas de boss. Ah mais du coup, il y a des moustiques ici. Oh non, encore le miel dans le marais. Non, non, non. Ah, je vais aller récupérer la pièce de puzzle qui est dans le colosse Gruntilda. Qui a perdu la pointe de son chapeau, du coup. Mais alors, attendez, mais comment on va là-haut? Ça, c'est une drôle de question, parce que... Ah, d'accord, j'ai compris... C'est plus tard parce qu'il faut tomber du plafond. Voilà. Bon, c'est pas grave. Nous, on va continuer. Mais avant ça, on va faire une petite pause. Comme ça, on peut aller boire un petit coup, se dégourdir les jambes. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du jeu, qui promet d'être passionnante.